T'empêche qu'avec tes conneries, on a bien failli se faire poisser. Pour un mec qui a du pif, tu pourrais commencer par éviter les proprios, surtout quand ils sont armés. C'est ta faute, t'as qu'à pas me troubler. Comment ça, c'est de ma faute, il est beau, lui. Parfaitement, tu me troubles, alors moi je fais des conneries. Comment ça, je te trouble? Ta présence me trouble, ton odeur me trouble. Te sentir derrière moi dans l'obscurité, ça me fait perdre mes moyens. Quand t'es devant, c'est encore pire. Tu le trouves pas un peu bizarre, toi, ce mec? Quel point de vue? T'as pas l'impression qu'il aurait derrière la tête comme une idée de m'enculer? C'est pas exclu. C'est tout ce que tu trouves à dire. Quel effet ça te fait d'être une proie? Ça t'ennuierait pas de retirer ta main de ma braguette, s'il te plaît, quand je mange? Pourquoi? Parce que ça me gêne. La première fois, ça gêne toujours. Faut savoir patienter pour y prendre du plaisir. J'ai dit enlève ta main de ma braguette! Oh, bah dis donc, il est pas aimable! Je suis très aimable, mais je suis pas pédé! Nuance! Mais personne t'a jamais demandé d'être pédé! Quelqu'un lui a demandé d'être pédé? Non, je crois pas. Allez, assieds-toi, vieux, sois pas nerveux. Et termine ton foie gras tranquillement, c'est du foie gras volé. Ça y est, le voilà qui boude. Encore une soirée de gâchée. Je te signale quand même que tu bandais. Quand ça? Bah, tout à l'heure, quand je t'ai mis la main à la braguette, je voudrais pas m'avancer, mais il m'a bien semblé sentir une grosseur. T'as dû confondre avec mon couteau. Ah non, mon petit vieux, pas d'accord. Ton couteau, il est froid, et moi, ce que j'ai senti, c'était chaud. Chaud, comme un Jésus qui sort du four. Non, non, arrête de rigoler. Il va croire qu'on se fout de sa gueule. Non, mais c'est vrai, je déconne pas, regarde ses yeux. Il serait capable de nous plaquer, tu vas pas nous plaquer. Hein, Antoine? Tu nous manquerais. Surtout à cette pauvre Monique. Imagine un peu son chagrin si tu disparaissais de sa vie. Hein, ma Monique, que t'honorais du chagrin. Marrez-vous, marrez-vous. Mais évidemment qu'on se marre. T'as l'air tellement constipé qu'on a forcément envie de te charrier. Charrier. Rier. Hé. Parce que là, tu me charriais, là. À ton avis? Ma main à la braguette, tout ça, c'était bidon. Et que je te patauge dans la semoule, et que je te patauge dans la semoule! Mais mon pauvre ami, si j'étais vraiment pédé, il y a longtemps que tu y serais passé la casserole, enfin. Réfléchis un petit peu, un mec comme moi. Je te coince entre deux portes et hop! Bonjour le chocolat! Ramonage du boyau, la turbine ensorcelée! Rouleau de printemps, bout d'un créole! Je te sers un coup de pommard? Ça rime avec braquemar. Et puis avec canular aussi! Excuse-moi, mais j'ai des doutes. Je suis peut-être con, mais j'ai des doutes. Ah, ça pourrait te compter, con, hein. T'as une belle gueule, mais t'as pas inventé le caoutchouc mou. Ne t'occupe pas de ma belle gueule. Je le sais bien que j'en ai pas une. C'est pas tous les jours marrant à porter. Regarde-toi dans mes yeux, tu vas te trouver sublime. Depuis que je te connais, je t'ai jamais vu avec une femme. Mais qu'est-ce que tu veux que je foute d'une femme, enfin, voyons. Les femmes, c'est trop facile. C'est comme les maisons, ça ne demande qu'à s'abandonner. Moi, ce que j'aime, c'est quand ça résiste. Toi, par exemple. Il y a des femmes qui résistent. Quand elles sont tartes. Même parfois des beautés. Mais non! Mais si! C'est même le cas le plus répandu. Mais arrête de discuter avec moi, s'il te plaît! C'est la laideur qui résiste. La beauté, elle se donne, ou alors elle se prend. Oui, ben moi, je me défends. Je t'aurai la fatigue. Espèce de vieille pédale. On se calme, les garçons, on se calme. Tu sais ce qui se passe quand t'ouvres la bouche? Ça sent la pissotière! Oh! Ne sois pas bêtement désagréable, Antoine. Bob est notre ami, un ami merveilleux. Tu vas finir par lui faire de la peine. Non, laisse tomber, ma chérie, laisse tomber. C'est pas grave. Enfin, je vais tout de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami. T'en as d'autres, des amis? Non. Eh ben, moi non plus. Notre seul ami, c'est Bob. Il a transformé notre vie d'un coup de baguette magique. Tu vas pas foutre tout ça en l'air pour une histoire de susceptibilité mal placée? Mais elle est parfaitement bien placée, ma susceptibilité. Il s'agit de mon trou du cul. Et mon trou du cul, j'ai pas envie de le transformer en entrée de métro.